La Brigitte Bardot, que j'ai fait il y a déjà quelques années. Et donc, je le photocopie. Ça a laissé en crayon, hein, je le photocopie. Et ensuite, alors là, j'avais une photocopieuse maintenant qui est en panne, c'est dommage, mais qui imprimait avec du charbon. Ça, c'est-à-dire quelque chose de solide. Pourquoi pas comme aujourd'hui, parce que toutes les imprimantes sont à la lumière. Si on les met à la lumière, on ne voit plus rien au bout de 15 jours. Alors que ça, c'est du charbon. C'est comme de l'encre de Chine, comme du noir de fumée, avec lequel on fait des pigments. Alors, donc, je prends un dessin, je passe à la photocopie. Ensuite, je passe sur l'acrylique. Pour le fixer, je peins par endroits, je redessine par endroits, et une fois que c'est terminé, je passe alors encore une couche d'acrylique et je fais un transfert, c'est-à-dire que je pose sur ma toile, je laisse sécher et ensuite avec de l'eau, je ponce le papier jusqu'à temps que ça reste. Tout est presque parti, et une fois qu'il reste la pluche, je la fais disparaître à l'eau de Javel.